je suis en train, déjà en train de vivre une expérience assez remarquable. J'ai accepté, et ça fait des années que je participe d'une manière ou d'une autre, mais d'être parrain, ça change tout. Je peux parler avec Vianney, je peux parler avec des autres potes qui l'ont fait, mais il faut le vivre pour comprendre l'ampleur de ce que c'est. Ils t'ont dit quoi d'ailleurs, Vianney et les autres parrains? Ah, ils m'ont juste regardé. Vianney, il a fait son petit. Et ça suffit pour comprendre que c'est. On vit beaucoup de choses en tournée, avec des autres projets, mais ça, c'est quelque chose d'à part. Et déjà, ce que je sens, c'est que c'est un privilège d'être là, de faire partie de cette famille, de cette aventure, et aussi de ce défi, on va dire, de ce challenge. Je trouve que nous, on fait partie, moi, je parle pour moi personnellement, je suis une petite partie de quelque chose qui dure des années, mais le défi de cette année a commencé il y a très longtemps, commencé il y a quelques mois, pratiquement quelques jours après qu'ils ont annoncé le total de l'année dernière. Donc, pour tous ces gens, partout, qui sont en train de faire des petits gestes qui vont devenir une énorme boule de neige, et qui vont devenir des grands gestes, qui vont changer des vies, et qui vont changer le futur dans ce pays, c'est une initiative, et c'est de la recherche en France, une initiative française, qui a de l'impact sur le monde entier, car nous sommes une communauté. C'est quelque chose qui chauffe le cœur et qui donne de l'espoir. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des exemples, des choses qui nous rendent fiers, comme le Téléthon, ici, en France, qui a de l'impact sur l'international aussi. Alors, on va voir quelques...